Je pense que depuis quelque temps, on assiste à une recrudescence, à une dégradation de plus en plus sensible. Oui. Je lisais l'autre jour, il était de mon avis. C'est un mouvement irréversible. Oui, c'est bien vrai, oui. Que voulez-vous ? On ne peut que faire le dos rond. Personne, d'ailleurs. Vous ne trouvez pas ? Si, si, bien sûr. Je trouve aussi. Ah, mais juste un instant. Permettez-moi. Excusez-moi. Je dois... Je reviens tout de suite. Trop tard. Elle n'est plus là. Qui donc ? Ce n'est rien. J'aurais voulu... Mais elle est déjà partie. Oui, la personne qui... Il y a quelque chose que vous deviez lui dire ? Ben oui, justement. Vous ne pouvez pas laisser un message, la joindre chez elle, téléphoner ? Ah non, vous savez... Comme ça... Ah, c'est difficile. Mais ce n'est rien. N'y pensons plus. Alors, vous me disiez... Eh bien, je constatais seulement que, dans la conjoncture actuelle, étant donné le tour que prennent... Mais vous n'avez pas l'air bien. Vous n'êtes pas dans votre assiette. Je vous dérange. Mais pas du tout. Mais au contraire. Dites-le franchement. Je comprends très bien. Mais non, voyons. Non, je voulais juste... C'est ridicule. Bon, écoutez. Oui ? Tout à l'heure, quand nous discutions... Enfin... On ne peut pas appeler ça discuter, nous étions du même avis. Enfin, vous et moi, mais elle. Elle était là quand nous parlions. Elle écoutait. Qui donc ? Ah ! Cette personne. Votre collaboratrice. Oui ! Enfin, mon associé. Mais peu importe qui elle est. Vous avez vu son air ? Non, à vrai dire, je n'ai pas... Vous n'avez pas remarqué ? Vous ne l'avez pas senti ? Mais elle n'était pas de notre avis, hein. Mais pas du tout. J'avoue que je n'ai pas fait très attention. Mais c'est fort possible. Ha ! Fort possible ? Fort. Fort. Très fort. Et je n'ai rien fait. J'ai laissé. Pourquoi ne lui ai-je pas demandé ? Oui. J'aurais dû. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Ça compte à ce point, ce qu'elle peut penser ? Non ! Oui. Enfin... Tiens, c'est curieux. C'est sûrement une bonne personne. Mais à vrai dire, elle ne paraît pas... Oh, je sais, oui, ce n'est pas un foudre. Oui. Mais ce que nous disions, c'était vraiment à la portée... Et il ne faut pas être grand clair. Elle est capable de juger, hein, comme tout le monde. Alors, savoir que c'est là... En elle... Je sais pas comment vous expliquer. C'est là. Ici. Elle a là sa petite idée. Pourquoi petite d'ailleurs ? Je cherche à me rassurer. Elle a en elle son idée. Une idée, elle a cachée. Et la nôtre, notre idée à nous, tout à l'heure, a été happée au passage, enfermée là-bas, livrée sans défense, étranglée en silence, dans le secret. Rien au dehors. J'aurais dû intervenir. La forcer à la sortir, à la montrer au grand jour, qu'on la voie sa belle idée qu'a osé attaquer. Qu'on la détruise. Mon pauvre ami, si vous devez vous préoccuper, vous avez du pain sur la planche. Je vois très bien ce qui peut lui trotter dans la tête. Pas que dans la sienne, du reste. C'est une idée qui court. Qui court ? Oui. Qui court ? Qui court ? C'est ça. Quelque chose qui court. Ça se propage. Il y en a partout, chez tous. Et vous savez, vous aurez beau vous échiner, vous ne les persuaderez pas. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Ça a une force invincible.
C'est comme ça, ces idées. Elles donnent à ceux en qui elles sont implantées cette certitude, cette assurance exaspérante. Vous n'avez pas vu ? Elle a eu, comme un petit sourire. Elle nous trouvait à plaindre. J'aurais dû aussitôt la provoquer, la forcer, et j'ai laissé passer. Alors maintenant, c'est là ! Elle est là, en elle, une bête nuisible qui vit, qui prospère. Impossible de l'atteindre, de la... Ça vous arrive souvent ? Vous devez avoir souvent du fil à retordre. Non ! D'ordinaire, Dieu merci, je ne vois rien de pareil, non ? Il a fallu qu'aujourd'hui, en sa présence, nous ayons abordé. Alors, en elle, aussitôt, ça a remué et j'ai laissé par lâcheté... Par veulerie. Heureusement. Vous nous voyez en train d'évangéliser ? Oui, je sais. Mais moi... Ah. Vous voilà. Je vous croyais déjà parti. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas tard. Ah, très bien. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Restez encore un peu, je dois... Moi, par contre, il est temps que je parte. Je suis déjà... Oui, je comprends, oui. À très bientôt. À bientôt, oui, on va s'appeler. Vous savez, je dois vous dire... Il faut que je vous parle. Oui, de quoi ? C'est idiot. C'est très difficile, je ne sais pas comment... Par où commencer ? Allez-y toujours, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Oh, rien ! Rien, rien justement, vous n'avez rien fait, rien dit. Il fallait que je parle ? Oui, ça aurait mieux valu. Mais que je parle quand ? Que je parle de quoi ? Je ne comprends rien. Mais si, vous allez voir, vous allez comprendre. Tout à l'heure, quand il était ici, oui, cet ami, quand nous parlions devant vous, vous vous rappelez, vous êtes entré ? Je n'aurais pas dû. Mais si, voyons, il n'y avait aucun secret. Il m'a semblé, j'ai senti... Vous n'étiez pas d'accord, n'est-ce pas ? Bon, peut-être. Et alors ? Et alors, vous aviez tort. Ah tiens, vous croyez ? Si je le crois. Mais j'en suis sûr. Archi tort. Ce que nous disions, c'en était ridicule tellement c'est évident. Je ne trouve pas. Vous ne trouvez pas ? Vous ne voyez pas que ça crève les yeux ? Tout ce qu'on oppose à ça, c'est du brouillard, de la bouillie pour les chats. Mais ne vous énervez pas comme ça. À quoi ça sert ? Laissons tomber. Non, ne laissons pas. Surtout pas. Il ne faut pas. Excusez-moi. J'ai tort de m'énerver. Vous allez voir, je vais garder mon calme et... Vous verrez, ça ne tiendra pas à ce que vous pensez. Ça ne peut pas tenir. C'est faux. Tout faux. Je sais d'où ça vous vient, on vous l'a inculqué, vous l'avez ingurgité, mais il vous suffirait de l'examiner, mais réfléchissez une seconde. Ah, parce que je ne réfléchis pas, jamais. J'ingurgite comme une oie, il n'y a que vous. Vous, vous savez, vous pensez, vos vérités, on ne les ingurgite pas, elles s'imposent, voyons, on les reçoit. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas bronché. Mais ce n'est pas encore assez. Mais où est-on ? Oui. Où est-on ? Je suis fou. Voilà ce que c'est. De traiter d'égal à égal, de discuter. Oh non, non, ne partez pas. J'ai tort. À quoi bon ces attaques ? Il ne s'agit pas de nous, pas de vous. Pas de moi ? Tiens, vous êtes bon. Réfléchissez une seconde. On vous a fait ingurgiter. Je suis une idiote, une demeurée à qui vous faites l'honneur et je dois encaisser. Mais enfin, pour qui me prenez-vous ? Oh, pour quelqu'un de très bien, croyez-moi. La preuve, c'est que j'essaye de vous convaincre. Votre opinion... Vous le voyez bien, pour moi... Ah, ça alors, c'est vrai. Je me demande pourquoi. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je pense ? Vous avez votre idée, moi j'ai la mienne. On n'a pas le droit ? Si, si. Le droit, tous les droits, vous avez le droit de l'avoir. Vous pouvez la conserver, la répandre, mais... Parmi ceux comme vous... Ceux comme moi, que voulez-vous dire ? Vous l'entendez ? Ceux comme vous, c'est qu'on est quelques-uns, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a de particulier ? Mais rien ! Je vous en prie, laissez ça. On s'écarte. On s'égare.
Écoutez, ma chère amie. Non, ce n'est pas une formule. Vous êtes une amie, une vraie, alors dites-moi. Répondez-moi franchement. Tout à l'heure, ce que nous disions. Ça heurtait en vous une conviction, je voudrais comprendre. Ça éveillait une résistance. Ça tombait pourtant sous le sens. Moi, je trouve que ça ne tenait pas debout. Ça ne tenait pas debout, ce que nous disions. Mais vous ne voyez pas qu'on enfonçait des portes ouvertes? Pas ouvertes pour moi, sans doute, je manque d'ouverture. Mais non, vous n'en manquez pas. Mais vous devez toujours... Vous pouvez pas... Vous devez toujours tout ramener à vous-même. Il n'y a que ça qui compte. Ah, écoutez, j'en ai assez. Alors demain, n'est-ce pas? C'est bien entendu pour demain à 10h? Oui, je sais. Mais juste un instant. Attendez. Que j'attende quoi? Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? À quoi bon? Vous ne me persuaderez pas. Vous voyez bien? Vous ne voulez pas? Non, je ne veux pas. Ça ne sert à rien. Je sais déjà ce que vous me direz. Ça m'agace de l'entendre. Ça vous agace, hein? Eh bien, je vais vous agacer, moi. Vous serez forcé de l'écouter. Je le ferai entrer, que vous le vouliez ou non. Ça entrera, même ici, dans cette... Il n'est pas possible que ça puisse pas entrer, démolir ce qui est là. C'est imbécilité. Mais dites donc, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous prend? Vous perdez la tête. Espèce de pain bêche. Crétine. Il faut vraiment aimer se commettre, se galvauder. Son idée, je vous demande un peu, oui, qu'elle la garde, hein. Ça changera pas la face du monde, ça changera pas. Ah? Vous croyez? Ben, est-ce possible? Vous croyez que ça peut changer la face du monde, juste ça? Cette petite idée, blottie en elle, cachée. Oh, si seulement vous vouliez venir ici, près de moi, me dire, m'expliquer comment, pourquoi, moi je ne sais pas. Ce que je sens, c'est qu'il faut absolument que ce soit détruit, il faut l'extirper, l'écraser, ce qui est là, en elle. Non? Vous ne croyez pas? Je me suis trompé. Vous ne croyez pas que ça puisse changer la face du monde? Que ça puisse mettre en danger? Qu'est-ce que j'ai été imaginé? Non, mais c'est d'une absurdité. Je sais bien ce que vous me diriez si vous vouliez parler. Je sais ce que vous aviez sur le bout de la langue. C'est ce que tout le monde se dit dans des cas comme le mien. Quand ça vous prend, quand ça vous tient, une de ces obsessions... Il n'y a qu'un seul moyen de s'en débarrasser, penser à autre chose. Un clou chasse l'autre, n'est-ce pas? Et les clous, ce n'est pas ce qui manque. Il n'y a que l'embarras du choix, des bons gros clous. Tiens. Ah, moi aussi j'en ai un. Un magnifique. Voilà. Je l'enfonce. Voilà. Je crois que ça y est. Non! Il n'y a rien à faire. C'est là, enfoncé en moi, son idée. Elle pousse. Elle appuie. Ça fait mal. Mais il n'y a donc personne ici. Personne qui accepte. Oh! Vous. Vous venez à mon secours. Ça, vraiment. Rien que de vous voir. Ça me calme. Mais peut-être que je me réjouis trop vite. Pardonnez-moi. Permettez-moi de vous demander. Vous ne seriez pas un membre du service d'ordre? Non? Pas un gardien? Pas le médecin de service? Non. Non, vous êtes venu ici pour vous amuser, pour vous distraire. Passer une bonne soirée. Ah oui, je m'excuse. En effet, comme distraction, je reconnais qu'on peut faire mieux. Enfin, que voulez-vous? Mais peut-être êtes-vous quand même docteur de votre métier?
Peut-être psychiatre. Parce que, vous savez, j'ai beau souffrir. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'ils essaient de me guérir. Non, ça, non, merci, très peu pour moi. Surtout pas de cette guérison-là. Non, merci bien, non. Parce que ce genre de manifestation, il faut absolument qu'ils se croient obligés d'y mettre bon ordre. Et quel ordre ? Non, non, je préfère encore... Mais vous n'en êtes pas un. Eh bien, vous me rassurez. Mais, encore juste une question. Vous voyez, je suis méfiant. J'ai échaudé, n'est-ce pas ? C'est que vous avez un air si... Si comme il faut. Si équilibré. Qu'à vous voir, on croirait... Enfin, on ne peut pas croire que... Vous... Aussi. Fait que vous puissiez être de ceux... comme moi. Mais que je suis bête. Si vous étiez ce que vous paraissez être à première vue, il est certain que vous vous seriez tenu bien quoi ? Bien en sécurité, là-bas, dans l'ombre. Pas fou. Enfin, pas au point de venir ici vous exposer, non, vous seriez avec les autres. Ceux qui refusent, qui s'écartent. Enfin, vous seriez peut-être même un de ceux qui partent, qui en ont vraiment assez. Mais vous, vous avez ce courage. Il ne faut pas se fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine, comme c'est vrai. Oh. Venez, près de moi. Plus près. Dites-moi. Pas à haute voix, si ça vous intimide. Non, juste tout bas, là, dans le creux de mon oreille. Je n'en demande pas plus. Ah, vous me comprenez. Vous aussi, une idée enfouie chez n'importe qui. Ah oui, même parfois chez un enfant. Oui, n'est-ce pas? Ça arrive à vous mettre dans des états. Mais... Oh, mais est-ce que je rêve? Mais ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Parce que vous savez, jamais personne. Et voilà que vous... Oh, vous êtes comme moi. Tout pareil. Et tout à fait normal, hein, très comme il faut, rien d'infarfelu, une tenue impeccable, la décence même. Eh bien voilà. Eh oui. Vous voyez ? Il se produit parfois de ces miracles. Au moment où on ne s'y attendait pas, ce serait à vous faire croire, enfin, moi... Il n'y a rien à faire, je ne suis pas croyant. Eh bien, vous voyez, nous sommes deux à présent. Deux, c'est une force, deux. Un autre comme moi. C'est que ça change tout. Comme disait je ne sais plus qui, dans je ne sais plus quelle pièce, un clown, je crois. C'est que ça change tout. C'est que ça change absolument tout. Je ne suis plus seul. Quel apaisement. Maintenant, on peut examiner la situation avec calme, avec lucidité. Cette pimbèche, non, il ne faut pas dire ça, c'est tricher. Cette personne, cet être humain, c'est drôle de dire ça, mais il faut le dire, le répéter, un être humain, peu importe lequel, porte en lui une idée qui détruit. Oui ? Qui, par sa seule existence, hein ? On est bien d'accord, hein ? Oh mon Dieu, quelle chance. Son idée, par sa seule existence, menace, oui. Osons le dire, oui. La vérité. Alors c'est insupportable. Alors, il faut la sortir. L'extirper. Il faut la détruire. On ne peut pas la laisser... C'est un germe dangereux, il faut désinfecter, assainir. Qu'est-ce que c'est ? Montrez-moi. Qu'est-ce qu'ils nous ont lancé ?
Intolérance. Intolérance. Ah, ils sont forts là-bas. Un seul mot projeté ainsi, on en titube. Ce que nous sommes en train de faire là s'appelle tout simplement intolérance. Et c'est absolument interdit par nos lois. Oh, regardez. Ça défile dans leur tête. Derrière leurs yeux immobiles. Vous le voyez? Des mots comme les sous-titres des films. Vous pouvez lire? Liberté de penser. Respect de l'opinion d'autrui. Nous vivons en démocratie. Et qu'est-ce que nous allions faire, hein, vous et moi? Alors qu'il n'y a pas plus démocrate. Dès qu'on touche à nos libertés, vous et moi, hein, nous voyons rouge. Vous voyez ces expressions toutes faites où ça peut nous mener? Là où l'on ne pensait pas aller? Non, non, disons plutôt que ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Intolérance. Oui. Il n'y a rien à faire. Il faut abandonner. C'est embarrassant. Je crois qu'on est coincé. On n'a pas le droit d'y toucher à ce poison. Oui. Le voir agir et ne pas bouger. La tolérance. On est pris là-dedans. Pieds et poings liés. Quel mot, hein? Une vraie camisole de force. Mais dites-moi, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais nous perdons la tête? Mais je ne me laisserai pas ligoter comme ça? Ben, la tolérance? Mais je le répète, il n'y a pas plus tolérant que vous et moi. La liberté de penser, parfait. Le respect d'autrui, très bien. Mais la libre discussion, qu'est-ce que vous en faites? Vous ne l'admettez pas, hein? Ah, vous voyez? Bien sûr qu'ils l'admettent. Mais alors, nous, vous savez, nous ne demandons que ça. La libre discussion. Liberté, égalité, fraternité. Fraternellement, en toute égalité, sans tenir le moindre compte de la moindre différence, dans la plus totale liberté, nous voulons engager une discussion. Un combat d'idées. Et tout prêt à admettre. Hein. Oh, je dirais même que je ne demande pas mieux que d'être convaincu que j'ai tort. Ah oui, c'est curieux. Moi aussi. Ça me soulagerait. C'est que, je vous le disais bien, il n'y a pas moins sectaire que nous, pas moins fanatique. Vous avez vu? C'est elle qui refuse de discuter. J'ai essayé, et elle m'a rembarré. Et vous avez vu de quelle manière, hein? Il faut dire que vous l'avez un peu brusquée. Je crois qu'il aurait fallu la prendre plus en douceur. Oui, en douceur, c'est ça. La très en douceur. Surtout, ne pas la braquer, ne pas éveiller sa méfiance. La prier de venir? Vous en avez le moyen. Oh, rien n'est plus simple. Il suffit d'un prétexte quelconque. Permettez-moi de vous présenter, c'est un ami. Vous aviez besoin de moi? Ah oui, oui. Je disais justement à cet ami combien il m'est impossible de me passer de vous. Dès que vous me lâchez, je me sens perdu. C'est vrai? C'est vrai. Il me disait combien ça compte. Combien il compte avec vous, avec votre opinion? Mon opinion? Non. Non, pas exactement ça. Enfin, si, il faut dire ce qui est. C'est incroyable à quel point tout ce que vous pensez... Oh oui, si vous saviez à quel point. Il y attache une importance. C'est curieux. Moi, voyez-vous, je pensais... Oui. Vous pensiez? Je pensais que... Tout simplement, il ne supportait pas que... Que qui que ce soit, même moi, puisse se permettre de... Oh, quelle erreur! Mais au contraire, je ne demande que ça que vous vous permettiez. Vous êtes sûr? Vous supporteriez qu'on ait sa petite jugeote à soi? Sa petite jugeote? Ah, comme c'est gentil. Sa petite jugeote. Non mais quelle modestie. Eh bien, cette petite jugeote, si vous vouliez... Moi, je n'accepte pas cette expression. Ah, il a raison. Ben, pourquoi jugeote? Mais pourquoi pas jugement?
bonbons, très bien, mais ce n'est pas pour recommencer, hein. Pas maintenant. J'ai trop à faire du reste, il y a des choses urgentes, je... Si ! Si ! Maintenant. Nous ne pouvons plus attendre. N'ayez donc pas peur. On ne vous veut aucun mal. Au contraire. Venez. On vous aime tant. Venez avec nous. Ici. Là. Là. Non. Pas entre nous. Vous ne voulez pas. Eh bien, mettez-vous ici, près de moi. Ne me dites pas que je vous fais peur. Peur ? Non, ça non. Mais c'est que... C'est que quoi ? Si c'est le travail, il peut attendre. C'est moi qui vous le dis. Allons. Je suis sûr que vous ne refuserez pas de perdre un peu de temps avec nous. Et même, vous verrez, vous y prendrez goût. C'est nous qui devrons vous arrêter. Vous rappeler qu'il y a des tâches urgentes. Oui, oui. Faites-le pour lui. Il tient tant à vous, vous savez. Et depuis si longtemps. Il a pour vous un de ses attachements. C'est vrai. Il y a combien de temps qu'on travaille ensemble ? Ah, je préfère ne pas compter, ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà. Pour commencer, vous allez faire amende honorable. Vous allez faire votre mea culpa. Ah ça alors ? Je me demande bien pourquoi. Ben pour ce que vous venez de dire. Ben oui, que je ne vous permettais pas d'avoir votre opinion. Ça c'est vrai. Mais quand ? Ben dites, quand donc ? Allons. Un petit effort. N'y a-t-il pas eu tout récemment quelque chose ? Non, je vous en prie. Ah, vous voyez ? C'est vraiment la paille et la poutre, hein ? C'est vous qui ne voulez pas, librement, calmement, c'est vous qui refusez ! Ah non ! Ou alors je m'en vais. Bah, c'est tout de même fort, hein, quand je me rappelle nos discussions... Lesquelles ? Eh ben, mettons, sur l'éducation, vous vous rappelez ? Ah oui. J'étais pour l'autorité, et vous savez, elle a fini par me convaincre avec preuve à l'appui. Bah, vous voyez, c'est moi cette fois-là qui était... Qui était quoi ? Faites attention. Alors vraiment, il a cédé. Eh bien, vous savez, vous avez du mérite. Parce qu'il faut bien dire qu'il n'y a pas plus entêté. Quand il a une idée dans la tête... Ah, pour ça, oui. Allons, il faut vraiment... Non, il ne faut rien ! Rien que me répondre, juste me dire pourquoi ! Oui, pourquoi tant d'injustice, hein ? Un tel manque de réciprocité ! Je ne comprends pas. Mais si, vous comprenez très bien, fine mouche, que vous êtes. Pour cette question d'éducation, quand j'ai cédé... Après avoir écouté vos arguments, c'était pour le moins aussi grave... Aussi grave que quoi ? Aussi grave que tout à l'heure ! Lorsque vous m'avez repoussé, quand je vous suppliais... Ah, c'est ça de nouveau. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me méfier, il commence toujours ainsi. De très loin, très en douceur pour en arriver à ses fins, pour vous mener par le bout du nez. Mais quel bout du nez ? Mais de quoi parlez-vous ? Je ne veux que la réciprocité... Une parfaite égalité. Tout ce que je vous demande, c'est de me répondre. Oui, répondez. Dites-nous pourquoi vous refusez d'accepter quand c'est criant de vérité. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Ayez le courage de vos opinions. Le courage ? Pas besoin de courage, je ne suis pas seule. Il y a des gens très réputés. Autrement... compétents. Ça les ferait bien rire qu'on en discute. Rire ? Ça les ferait rire ! Eh bien, faites-moi rire avec eux, je ne demande que ça. Rions ensemble. Vous entendez sur quel ton vous dites ça ? Rien que de vous entendre. Brrr. Oui, brrr, brrr, brrr. C'est tout ce que vous trouvez à me répondre. Non, mais vous n'osez pas sortir ces inepties, ces malhonnêtetés. Et dire que je lui demandais de les étaler devant moi. Non, mais il faut avoir un solide estomac, le cœur bien accroché. Ah, enfin ! Maintenant, c'est clair. Je crois que cette fois, vous me permettrez. Alors voilà. Et je devrais vivre avec ça près de moi. Ça enfoui là, tapis là. Savoir que c'est là, toujours là dans un coin. Comme l'idée de la mort, présente à chaque instant, par derrière, quoi qu'on fasse. Eh oui. Et croyez-moi, estimez-vous heureux. Qu'est-ce que ce serait si elle était votre femme ? Ça alors, comme supplice ? Oh, je ne sais pas. Non, si elle était ma femme, il y aurait tout de même des chances pour que sur ce plan-là... Les idées, vous savez, c'est comme le domicile conjugal. Jusqu'à présent, d'ordinaire, les femmes suivent. C'est vrai. Et souvent, quand elles le font, c'est avec une intransigeance, une ardeur,
Elles y mettent tout leur cœur. D'ailleurs, vous savez, il paraît qu'il y a des pays... Tenez, chez les Américains. Là-bas, une conduite comme la sienne pourrait être un motif de divorce. Ben oui. Pour cruauté mentale, c'est prévu par la loi. Pour être franc, je ne sais pas. Je crois qu'on vous dirait qu'en fait de cruauté, c'est vous plutôt. Elle, la pauvre, elle ne fait que se dérober. Elle ne demande qu'à garder le silence. C'est vrai. Et puis, vous savez bien, même en cas de séparation, ça pourrait continuer à agir à distance. Ah, n'est-ce pas? À distance. Il suffit de savoir que c'est là. Que c'est toujours là, en elle, blottie dans sa tête. Et dès qu'une belle petite idée à nous, toute fraîche et saine, commencerait à se former, à s'ébattre, aussitôt, on sentirait venant de là-bas. Oui. Même de loin, quelque chose se tend. Hein, c'est ça? Notre idée serait happée, traînée, enfermée là-bas, engluée de bave, aplatie, écrasée. On dirait que là-bas, un boa constrictor... Moi, je vois ça plutôt comme une petite machine. Une mécanique broyeuse qui, automatiquement... C'est ça. Automatiquement. Une force aveugle. On peut prédire, prévoir d'avance. Un mécanisme est là. Dans cette cervelle. Et automatiquement, il va saisir, broyer, réduire en poussière, en bouillie. Ce qui respire, ce qui veut vivre. Et on ne peut rien contre ça. Pas moyen de bouger. Et pourtant, c'est bien un cas de non-assistance à penser en danger, hein? Et c'est grave? Très grave. Insupportable, intolérable. Malheureusement, pour lui porter secours à notre pensée en danger, je ne vois pas d'autre moyen. Je sais. C'est à lui aussi que je pense. C'est le seul moyen possible pour empêcher définitivement que ce boa assoupi et enfermé dans sa tête, ou si vous préférez que cette mécanique... C'est ça. Plus de détente irrésistible. Plus de fonctionnement automatique. Tout sera inerte. À jamais brisé. Détruit. Oui, mais comment? Brisé, comment détruit à jamais? Évidemment, si on pouvait avoir à sa disposition, vous savez, le fameux bouton qui tue le mandarin... Bah, bien sûr, mais il n'y en a pas. Alors il faudra se résoudre. Que voulez-vous? On n'a rien sans rien. Et cette fois? Dans la plus complète solitude. Vraiment, seuls, vous et moi. Plus personne, même, pour nous lancer une petite boulette comme tout à l'heure. Non, ils sont trop loin de nous, très loin de ça. C'est vrai? Vous êtes si loin? À de si grandes distances? Vraiment? Mais comment est-ce possible? Après tout ce qui s'est passé? Tout ce qui a été fait? Par des gens dont on n'aurait jamais pu croire? Des gens comme vous et moi? Et par quelle foule de gens? Et sur quelles échelles énormes? Toutes les guerres de religion, inquisition, bûcher, potence, garrot, peloton d'exécution, charnier et camp de concentration. Vraiment. Vous ne pouvez pas comprendre. Non. Rien à faire. Ils ne sont pas de ceux-là. Très à part, voyez-vous, très purs. Aucun d'eux n'a jamais, même dans ses cauchemars, aucun ici, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Alors nous seuls. Quand je vous disais que votre apparition tenait du miracle, rien que nous deux, que vous et moi, il faut s'y résigner. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Quel procédé? Oh, rien de bien original, comme vous pouvez penser. Oh, mais tout de même. Quoi? Eh bien, ouvrir le robinet du réchaud à gaz qui est dans son bureau. Ou mettre le feu. Simuler un cambriolage. S'approcher d'elle par derrière avec une cordelette ou un foulard. Ou alors un poignard. Une hachette. Oh, je ne sais pas. En effet, comme imagination. Que voulez-vous, on fait ce qu'on peut. Enfin, ce sont là des détails. Ce qu'il faut voir... Oui, c'est le résultat. Il n'y a que lui qui compte. Moi, rien que d'y penser, ça me donne des rires nerveux. Vous voyez ça? Une belle petite idée. Née en nous,
toute fraîche éclose, toute étincelante de vérité. Une libellule, un papillon de toute beauté. Elle pourrait, avec une parfaite impunité, en présence même de cette personne, sortir, volter, se poser où il lui plaît, oui, se poser là-bas, sur cette tête. Morte. Volter devant ses yeux. Oui, éteint, pour toujours. Pénétrer dans ses oreilles sourdes, chatouiller cette petite cervelle inerte. Plus aucune réaction, jamais. Et puis, la disparition complète. Plus rien. À peine un souvenir. Malheureusement, dans notre cas, avec ces pauvres moyens artisanaux... Artisanaux, ce serait encore beau. Je me disais tout à l'heure, quel affreux bricolage. Bah bien sûr, sans aucune aide, aucun secours de l'État. Dire qu'il y a tant de pays où l'État s'en charge et avec quel succès. Mais là, hein, chacun pour soi, à ses risques et périls. Et quel péril? Je nous vois, essayant d'expliquer au juge d'instruction. Et notre défense en cour d'assises, invoquant l'assistance à penser en danger. Pas prévu par la loi. C'est un rêve, tout ça. Notre petit quart d'heure de rêverie. Vous savez ce qui me console? C'est qu'en fin de compte, tout ce travail, ce risque énorme... Oh, je sais, ça ne nous rapporterait pas grand-chose, juste un soulagement passager. La chose ignoble, cette seule petite... ce boa, on le retrouverait enroulé ailleurs, dans une autre tête. Ce ne sont pas les têtes qui manquent, non? Oh, pour ça, non. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ce n'est pas la tête qu'il faut détruire. C'est l'idée. Pas le porteur, mais l'idée qu'il porte. L'idée seule. La traquer, l'écraser. Oui, assainir, bien nettoyer. Faire place nette. Et alors on pourrait, à cette place, dans cette même tête, installer, se répandant d'elle, se propageant... éclairant tout autour. La vérité. Vous savez, c'est ce qu'ils appellent eux là. Ils ont des mots pour tout, fait tout exprès. Ils pourraient, s'ils voulaient, de nouveau essayer de nous calmer, s'ils voulaient remettre les choses en place. Nous, remettre à notre place. Il pourrait nous dire que ce que nous voulons obtenir, c'est tout bonnement une abjuration, suivie d'une conversion. Nous ne sommes pas les premiers. Ah, pour ça non, quand on se rappelle. Mais ce n'est pas pour m'arrêter, non, je ne tiens nullement à innover. Mais ce qui me retient plutôt, c'est que tout à l'heure, nous avons déjà essayé. Tout à l'heure, nous n'avons pas su nous y prendre. Vous vous êtes énervé. Essayez cette fois de vous dominer. Rappelez-vous, pas d'agression contre le porteur. Enfin, contre la porteuse, puisque c'en est une en l'occurrence. Rien contre sa personne. Ce qu'il faut, c'est détruire son idée. La détruire complètement. Avec une autre idée. Notre idée s'attaquant à la sienne. Un combat d'idées. Et la nôtre, par sa seule force, doit pouvoir... Oui, triompher, n'importe où. Même là. Faites-la revenir. Qui? La porteuse, bien sûr. Les idées, vous le savez bien, ont besoin de porteurs pour circuler. Ah, évidemment. Excusez-moi, je ne sais pas à quoi je pensais, mais la porteuse... Je crains que, cette fois, dès qu'elle s'apercevra que ce n'est pas pour travailler, enfin, pas pour ce qu'il est convenu d'appeler travailler, mais... allons chez elle, plutôt. Entrons comme si de rien n'était. Oui, mine de rien. Et adieu, Vat. Alors, vous êtes content? On y est quand même arrivé? Oui. Vous avez l'air déçu. On a pourtant fait du beau travail. Moi surtout. Parce que vous, il y a eu des moments au début
où j'ai cru que vous alliez faire marche en arrière. Mais que voulez-vous? Rien que de la voir, elle a parfois un regard, un sourire qui me désarme. Quelque chose de bon, de... On le sait, elle est bien brave. Mais on avait décidé qu'elle n'entrait pas en ligne de compte. C'était de l'idée qu'il s'agissait. Eh bien, il faut se réjouir. Elle l'a abjuré, son idée. Elle l'a chassée. Et à sa place, elle a installé... Oui, l'évidence. La certitude. Elle l'a acceptée. Et pas seulement du bout des lèvres. Non. Pas du bout des lèvres. Mais... Alors du bout de quoi? Eh bien, quand nous sommes entrés, vous avez vu? J'ai vu sa nuque éclairée par la lampe. Ça m'a rappelé nos projets. Pas moi. Non, ça m'a attendri. Quelque chose d'innocent, sans défense. Vous lui avez posé la main sur l'épaule, doucement, tendrement. Et alors, vous avez vu? J'ai vu comment elle a sursauté. Rien d'étonnant, elle ne s'y attendait pas. Elle s'est retournée, elle a mis la main sur son cœur et elle a dit « Oh, vous m'avez fait peur. » Et c'est tout. Vous n'avez rien vu d'autre? Non, rien. Eh bien, moi, je la connais. Elle a tout compris à ce moment-là. Oui. En un éclair, elle a tout vu. Ce que nous voulions, ce qu'il attendait, et alors... Alors quoi? Eh bien, c'est facile à deviner. Elle a aussitôt, à l'instant même, pris sa décision. Elle a pris le parti de se rendre. Vous croyez? J'en suis sûr. Ça ne me paraît pas très plausible. Elle aurait cédé plus vite. Ah, parce que vous trouvez que ça a été long. Ah, mais il fallait bien traîner un peu, voyons. C'était l'enfance de l'art. Il fallait nous montrer qu'elle a dû, à son corps défendant, vaincu par la poussée irrésistible de nos arguments, c'était le seul moyen de se débarrasser de nous. De nous empêcher de revenir à la charge. Non, attendez. Voyons un peu. Quand vous avez commencé vos travaux d'approche, partant de loin, en catimini, je dois dire que là, je vous ai admiré. Elle vous a laissé venir? Oui. Et après, quand je me suis avancé en terrain découvert et vous me dites que je n'ai rien fait, que c'est surtout vous, enfin, il ne s'agit pas de ça. Donc quand j'ai engagé l'action, elle a... Elle n'a pas paru céder. Non, je vous l'ai déjà dit. Elle n'a pas voulu céder tout de suite. Elle a d'abord pris ses précautions, elle a saisi son idée, elle l'a repoussée, vite cachée dans un recoin, un placard où elle a enfermé sa chère petite à l'abri de nos coups. Et puis elle nous a laissé venir, en livrant quelques simulacres de défense. À un moment pourtant elle s'est levée. Je m'apprêtais déjà à lui barrer le chemin. Mais c'était bien inutile, elle s'est rassise. Oui, c'est vrai. Ce n'était qu'un bref sursaut. Oui, peut-être un mouvement de révolte. Elle devait trouver que nous allions fort. Ne vous fâchez pas, mais c'était au moment où l'on aurait pu croire... Enfin, elle a pu croire que si elle ne cédait pas, elle dépend tout de même un peu de vous. Mais vous rêvez? Elle n'a pas pu croire ça. Moi, employé de pareils moyens. Non mais elle me connaît trop bien. Je sais. Je dis juste qu'elle a peut-être pu s'imaginer... Rien du tout! Elle a eu un moment... C'est humain, que voulez-vous? C'était plus fort qu'elle. Elle a voulu s'échapper en emportant sa chère idée. La petite avait dû s'impatienter, elle avait dû se mettre à cogner pour sortir de sa cachette, mais elle l'a fait taire. Elle s'est rassise sagement, prête à tout endurer jusqu'au bout, du moment que son idée était bien en sûreté, là où rien ne pouvait l'atteindre. Vous devez avoir raison. Elle avait l'air de s'amuser quand elle vous regardait brandir vos arguments. Le plus drôle, c'est quand vous m'avez demandé de vous passer des faits, vite. Ha! Et quel fait, hein? Une machine formidable. Je vous voyais pousser ça, donner de grands coups. Étonné justement, il m'a semblé qu'à ce moment-là, elle s'est mise à céder. J'ai cru qu'elle ouvrait tout grand pour que la vérité entre, pour qu'elle pénètre partout. Partout. Mais pas dans le recoin bien protégé où se tenait blottie sa petite idée. Ben, croyez-moi, on peut dire que nous donnions des coups d'épée dans l'eau, mais il n'y avait pas même d'eau. Nous frappions de toutes nos forces dans du vide. Son idée, à elle, est là. Intacte. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, elle est déjà sortie de sa cachette, en train de s'attaquer aux belles, grosses vérités que nous avons accumulées et laissées derrière nous. Elle les englue, elle s'enroule autour, elle les étreint. Oh, tenez, la voilà. Qui donc? Mais la porteuse! Elle l'a toujours en elle, vous savez. Vous avez raison. Elle est toujours là, en elle, son idée. Inentamée. Pas changée d'un iota. Ça se voit tout de suite. Rien qu'à cet air. Oui.
buté, fermé, borné, sûr de soi. Et secret. C'est bien ce qu'on peut appeler rester sur son quant à soi. Oh, retenez-moi. Allons, allons, un peu de calme. Dominez-vous, un peu de calme. Vous savez, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est étrange. J'accepte. Oui. J'accepte. 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 Qu'elle garde en elle son idée. Qu'elle la couve, qu'elle la soigne, qu'elle l'engraisse, ça m'est égal. Ce n'est pas possible. Ne me dites pas que vous êtes devenu un de ces indifférents. Un de ces tièdes pour qui les idées. Voyons, non mais comment pouvez-vous penser ça? Non, pas du tout. Alors peut-être que pour ne plus souffrir, vous avez trouvé un clou qui a chassé. Un bon gros clou. Oh non, non, pas de clou, non. Rien n'a pu chasser. Non, mon idée à moi est là. Comme on dit, elle m'habite. Et pourtant, j'accepte que l'autre... La sienne, là-bas, qu'elle vive. Ah, donc vous en prenez votre parti. Impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas? Non, pas du tout, vous vous trompez. Vous prenez votre mal en patience. Non, non, ce n'est pas ça. Vous faites contre mauvaise fortune bon cœur. Non, vous n'y êtes pas du tout. Vous feriez mieux de donner votre langue au chat. Bon, je la donne. Alors sachez que je suis content. Très satisfait. C'est tout ce que je demande. La sienne chez elle, la mienne chez moi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne plus rien extirper chez personne. Plus d'incursion. Mais dites-moi, c'est ce qui s'appelle la tolérance? Ah, j'en connais là qui seront contents. Plus besoin de nous lancer des boulettes de papier pour nous rappeler aux bons sentiments. Et c'est vous maintenant qui donnez l'exemple. Quoi? Ça de nouveau, hein, la tolérance. Toujours ces mots qui en serrent, qui déforment. Parce que j'ai dit que son idée à elle peut bien vivre, s'engraisser aussitôt, ça y est. On croit que tout est rentré dans l'ordre, c'est de la tolérance. Eh bien non. Il ne s'agit pas de ça. C'est à mon idée, à moi, à elle seule que je pense. Je ne veux plus qu'elle s'avilisse. Plus de contact, de corps à corps répugnant, qu'on nous laisse seuls. Elle et moi. Tout seul. Pardonnez-moi. Je ne voudrais pas vous vexer. C'est gênant de vous dire ça à vous. Vous avez été si bon, si patient. Et j'ai tant abusé. Mais maintenant, voyez-vous, je n'ai plus besoin d'aide. Plus besoin du soutien de personne. Nous n'avons besoin que de ça. Être seul. Tout seul. Mon idée et moi. Et même, c'est drôle, vous voyez comme on change. Et même, ça nous aiderait si vous étiez contre nous. Oui, c'est ainsi, oui, que tous soient contre nous. Vous, l'ami qui était là tout à l'heure, d'ailleurs comment savoir si lorsqu'il approuvait, si ce n'était pas par politesse, par paresse. Et vous-même, peut-être par gentillesse, sait-on jamais. Mais c'est fini. Plus besoin de sonder les reins et les cœurs. Oui, tous contre. Eux aussi, là. Rien que de l'imaginer, c'est étrange, ça me fait du bien. Mais je ne l'imagine pas. Je sens qu'eux, ils m'ont exaucé. Mon souhait, d'ailleurs, est un de ceux qui d'ordinaire ont le plus de chances d'être comblés. Regardez-les. Voyez où ils sont. Où ils se tiennent. À quelle distance? Une distance que ne peut pas franchir la sympathie, aucune connivence. Ces regards fixes, braqués. C'est drôle. Maintenant, je crois que je commence pour la première fois à comprendre. Une petite chose. Une toute petite chose sans importance vous conduit parfois ainsi là où l'on n'aurait jamais cru qu'on pourrait arriver, tout au fond de la solitude,
dans les caves. Les casemates, les cachots, les tortures, quand les fusils sont épaulés, quand le canon du revolver appuie sur la nuque, quand la corde s'enroule, quand la hache va tomber, à ce moment qu'on nomme suprême. Avec quelle violence elle se redresse. Elle se dégage, hors de son enveloppe éclatée. Elle s'épand, elle, la vérité même. La vérité. Elle seule. Par sa seule existence, elle ordonne. Tout autour d'elle, docilement, rien ne lui résiste. Tout autour d'elle s'ordonne. Elle illumine. Quelle clarté. Quel ordre. Ah, voilà. C'est le moment. C'est la fin. Mais juste pour moi. Mais moi, je ne suis rien. Moi, je n'existe pas. Et elle ? Avec quelle force ? Hors de son enveloppe éclatée, elle se dresse, elle se libère, elle se répand. Elle éclaire. Personne ne peut. C'est ainsi, contre elle, on ne peut rien. On le sait bien, n'est-ce pas ? On le dit bien. Toujours la vérité triomphe. Pour elle, il n'y a rien à craindre. Ah, elle sait se défendre. Par sa seule existence. Par sa seule présence. Seule. Toute seule. Si seule.